Stéphane, Benoît nous a présenté EFAGE et ses activités. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant dans la mission du contractant général ? Eh bien oui, effectivement, nous rentrons de plus en plus dans le costume du contractant général. Hein, c'est le bras armé du maître d'ouvrage, la prise en main, d'un projet dans son entièreté. Alors ça nous amène aussi un nouveau modèle pour lequel on s'est structuré davantage. Hein. Si je prends le pan de la sécurité, par exemple, c'est un élément primordial aujourd'hui pour réussir de tels projets. Il faut à la fois une politique ferme, déclinée et comprise sur le terrain. Et tout ça, ça amène en fait un ensemble de boîtes à outils qu'il faut déployer. Ensuite, qu'il faut avoir une grande maîtrise aussi du planning. Hein. On sait tous qu'aujourd'hui, construire un data center, c'est un véritable challenge. Donc il faut une organisation militaire qui permette de déployer des modes constructifs à la hauteur, avec beaucoup de préfabrication, hein, des cadencements. Sur certaines opérations, on est même aujourd'hui, en opération en 2-8 ou en 3-8, parce qu'il faut en permanence garantir la livraison du clos couvert pour les corps d'état technique. Et puis, savoir générer un petit peu de marge libre quand on rencontre des aléas. Et ça, c'est vraiment la force aujourd'hui du groupe EFAGE que de mobiliser toutes ces équipes pour pouvoir répondre, à une logique constructive et des attendus clients sur une livraison à date. Et j'ai envie de compléter aussi par la partie commissioning, parce que c'est aussi un des éléments prépondérants aujourd'hui pour livrer un ouvrage. Et nos équipes aujourd'hui sont vraiment mobilisées pour, ne louper aucune étape de ce commissioning, avec, de la traçabilité, avec des moyens d'essai qui permettent de garantir, l'ouvrage dans son entièreté. On pourrait d'ailleurs parler métier maintenant, parce que j'imagine qu'il y a une diversité d'interventions sur les chantiers qui doit être énorme, et vous recrutez, et vous avez des difficultés à recruter. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est en pleine expansion, hein, le secteur du data en est un exemple, mais il y a aussi d'autres secteurs qui tirent énormément, et effectivement, on est aujourd'hui en recherche de profils compétents, spécialisés. Alors il y a beaucoup de techniques, mais aussi des gens capables de travailler en équipe, parce que c'est ce qui fait la réussite de ces projets, c'est de pouvoir, reprendre le relais l'un après l'autre et amener l'équipe au bout, l'équipe gagnante. Et est-ce qu'on peut parler un peu de, la responsabilité du contractant général sur les chantiers, qui est une mission importante? La responsabilité du contractant général, effectivement, elle amène un nouveau modèle, chez EFAGE, puisque, en fait, on parle de conception-réalisation, ou tout du moins d'appropriation de conception, souvent après un design qui est, élaboré en APS, en APD. Mais cette responsabilité fait qu'aujourd'hui, on emmène tout le projet avec, les risques associés qui peuvent être des risques avec des tiers. Hein. On a des projets aujourd'hui où on livre des opérations en tenant compte de la biodiversité, des différents concessionnaires qui peuvent être des tiers aussi sur le projet. Donc tout ça, ce sont des contraintes que l'on prend en considération dans notre position de contractant général. Merci Stéphane, on te retrouvera tout à l'heure pour un autre sujet concernant EFAGE. Ok, merci.